Bonjour à tous et bienvenue chez Fuzz pour ce cinquième mini tuto. Cinquième mini tuto qui sera un résumé du sixième maxi tuto, le baril de pétrole. Pour faire ce baril, emparez-vous tout d'abord du static mesh que vous renommez. Vous passez celui-ci sous Maya, vous réglez l'échelle et vous réimportez le tout sous ADK en n'omettant pas les paramètres de collision. Ensuite, vous vous intéressez aux materials, vous récupérez tous les fichiers, vous les renommez, vous les liez à votre boule que vous liez à votre static mesh. Vous prévoyez une icône que vous relierez plus tard à votre primal item. Ensuite, vous récupérez les 5 blueprints les plus importants, c'est-à-dire le blueprint de structure, un émetteur, un engrammanterie, un primal inventory et un primal item structure. Je vous laisse personnaliser à votre guise l'engramme entry, le primal item structure et le primal inventory. N'oubliez pas de lier votre primal item à votre structure. Quand vous avez fait tout ça, modifiez votre émetteur en allant dans le fichier de particules. Vous pouvez vous en emparer et le modifier directement. Ici, j'ai annulé la quatrième colonne pour le modifier. Quand tout ça est fait, on va dans le BP de structure. Dans l'onglet défaut, vous liez votre static mesh. Vous n'oubliez pas de cocher la case serveur BP notify pour que votre futur graphe marche et de lier votre primal item structure. Dans l'onglet composantes, vous enregistrez votre primal inventory et vous liez votre émetteur. L'émetteur, vous pouvez en régler la position directement à partir de la fenêtre composantes. Enfin vient l'étape du graphe. Le graphe, soit vous le copiez sur Pastebin, soit vous mettez pause et vous le recopiez directement ici. Et si tout va bien, vous pouvez lancer le test. Alors, si ça fonctionne, c'est youpi. Si ça ne fonctionne pas, je vous invite à recommencer à partir de l'étape 5. Si vous n'avez rien compris à ce tuto, je vous invite à regarder le Maxi Tuto 6 où tout est détaillé et se déroule pas à pas sous vos yeux. Voilà, le tuto dure plus d'une heure. Et je vous invite enfin à vous abonner pour être maintenu au courant de mes publications. Allez, bye bye, bon courage et bon modding.